Bonjour à tous, c'est encore moi, Procy. Aujourd'hui, je suis avec Christina. Une vidéo spéciale du type voyage. On va à Constanța, c'est une ville qui se trouve au sud de la Roumanie. Il y a la mer Noire là-bas, donc on a déjà pris les billets. Ça nous a coûté 30 lei chacun. Et puis, ouais, c'est parce que voilà, on est des étudiants, on nous a fait une petite réduction. Du coup, on va prendre le train. Et puis, c'est parti, on se retrouve là-bas. Ça y est, on a quitté la gare maintenant, juste devant nous là, il y a quelque chose, il faut que je tourne la caméra comme ça, vous allez voir, c'est chaud, mais malheureusement le temps n'est pas tellement ensoleillé, voilà, mais ça fait très beau, je tourne la caméra direct, hein. Faut que vous voyez ça. Ça, c'est l'une des plages de Constanța. Bien sûr, il y en a d'autres comme Euphorie, Costinești ou bien Vama Veche. Mais sur celle-là, en fait, il y a beaucoup d'événements de musique qui se déroulent pendant l'été. Cet endroit se situe en fait à une dizaine de minutes de la plage. En fait, il s'agit des restaurants, des bars. Et vous voyez là-bas, il y a des bateaux que vous pouvez même louer pour faire un tour. On continue toujours à marcher, voilà. Derrière nous, là, on est allé au magasin pour prendre seulement de l'eau. Et directement, on est tombé dans une ruelle superbe avec des monuments un peu, voilà, incroyables. Je vais filmer ça, là. Construit à l'initiative du roi Carol Ier de Roumanie pour la communauté musulmane de la ville connue par l'architecte Victor Gheorghe Ștefănescu. Voilà. Maintenant qu'on a vu l'extérieur, on va maintenant aller voir l'intérieur. Hein. Voilà l'extérieur, déjà je vais vous montrer un petit peu. Et on va rentrer maintenant. Là, on vient de rentrer dans la mosquée. Et on a pris deux billets comme ça. C'est 3 lei chacun, c'est pas grand-chose en fait. C'est pour les étudiants. Pour ceux qui sont pas étudiants, c'est 5 lei. Et voilà ce qu'on trouve juste à l'entrée. On a mis ceci. On va aller voir la place, la porte principale. Wow. Regardez ici.
pas le droit de parler très fort parce que voilà, c'est un lieu sacré, c'est silencieux. Donc voilà. Voilà, ça c'est tout la maquette. Et nous, on est juste à l'entrée ici. Et on va voir si on peut monter jusque-là et même aller jusque-là. Oui. C'est parti. Ça tourne la tête déjà depuis qu'on marche là. On a visité la mosquée, on était tout en haut là, regardez, on était en haut là-bas et juste à l'entrée, en fait c'était écrit que c'était par l'initiative du roi Carole Ier de Roumanie qui avait fait ça pour la communauté musulmane de Roumanie, voilà, tout simplement. Et à l'entrée là-bas, on avait écrit les différents noms de Dieu, apparemment il y en a 99. Et donc, on avait aussi écrit que celui qui va réussir à les prononcer, à les citer tous les 99, va aller au paradis. Voilà. En fait, on est allé acheter de l'eau au magasin. Depuis là, on ne fait que trouver des monuments et des monuments. Déjà, cette église, c'est orthodoxe, je pense, non, ça. Oui, c'est orthodoxe. Et voilà. Et même la mosquée qu'on a vue déjà tout à l'heure. Bienvenue à la falaise, à Casino de Constance. Et voilà, on est enfin arrivé à l'endroit où je vous disais. C'est Aquarius. Instant repos maintenant, après une très très longue marche, on se repose et puis on va voir ce qu'on va faire plus tard. Eat pizza. Manger des pizzas. Après avoir visité Aquarius, comme vous avez vu avec les poissons et tout, juste en face de, bon pas en face de nous, à côté là, c'est le casino de Constanța. Si vous prévoyez de venir à Constanța, surtout ne manquez pas de venir ici. Ça s'appelle la falaise à cet endroit. Donc, vous allez voir, il y a le casino. Et tu prends tes photos.
Il y a le casino, comme je disais, et aquarium avec les poissons et tout. C'était vraiment super l'expérience. On attend qu'on puisse enfin enlever ce voile là, comme ça on voit la beauté vraiment sèche du casino. Mais bon. Raison de batterie déchargée, on va devoir arrêter la vidéo là malheureusement. Mais comme vous avez vu tout au long du voyage, nous en fait on avait juste prévu d'aller visiter la falaise du genre où on se trouve en ce moment, le casino Aquarius où on a vu les poissons et autres. C'était juste ça notre plan un peu parce qu'on connaît pas vraiment tellement cette ville. Mais voilà, tout d'un coup comme ça qu'on a décidé d'aller acheter de l'eau au magasin, on a découvert. Franchement, je peux dire ça fait quoi, 30 ou 40% de ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'était grâce à ça. Donc, si vous aussi, vous êtes, je sais pas, dans n'importe quel pays où vous trouvez, n'hésitez surtout pas. Allez, lancez-vous dans la découverte, dans le tourisme, voilà. Allez visiter et donc... Habillez-vous, il fait froid. Ouais. En tout cas, si vous allez à la mer, surtout en ce temps-là, c'est pas encore l'été, habillez-vous, couvrez-vous bien parce qu'en ce moment, il fait un peu très froid. Heureusement, on a prévu ça, même si on a prévu ça, voilà, on a fini par s'enrhumer. Elle, en fait, un petit peu. Toi aussi. Du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc, ciao. La revedere.